Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo découverte sur Caravan, petit jeu que j'ai découvert via un trailer en fait, trailer du jeu qui m'avait un petit peu intrigué. Je trouvais ça, le visuel avait été assez sympa, l'ambiance avait l'air aussi d'être assez propre, donc je m'étais dit allez, je me lance et puis ça pourrait être aussi l'occasion du coup de vous faire découvrir le jeu dans une vidéo découverte, comme c'est le cas à l'instant même. Donc, c'est un jeu édité par Daedalic Entertainment et développé par It Matter Games, au prix de 15€ à peu près sur Steam, sorti le 30 septembre 2016. Alors, Daedalic, je connais un petit peu, je trouve qu'ils éditent de très bons jeux, je sais pas, mais de bons petits jeux. Alors, c'est un peu dans le style, donc c'est un jeu indépendant, mais dans le style gestion, survie, stratégie aussi. Alors, je sais pas trop de quelle ordre ça va être, on va découvrir ça ensemble. J'ai commencé une partie pour voir un peu de quoi il s'agissait, puis faire quelques réglages. Partie donc que je vais supprimer, voilà. Et si il me laisse le faire, voilà, merci. Et on va en créer une nouvelle partie, voilà. Donc, du coup, on peut choisir l'avatar. Bon, on a que trois... trois avatars. Il y a notre nom, bon, on va laisser comme c'est. Hein. Là-dessus, je pense pas que ça importe beaucoup. Et on va découvrir ça ensemble. Alors juste, je regarde un petit peu la fenêtre, voilà. The realm of the pillars. At the beginning of our time, legends were born on the Arabian Peninsula, which still live on today. One of those legends is about the realm of the pillars and its own. D'accord. Bon, je passe. Hein, au pire, si vous voulez lire, c'est juste histoire d'introduire un petit peu le côté scénario. Hiram des piliers. Est-ce bien nécessaire, père? Nous disposons de tout ce dont on puisse rêver dans notre magnifique royaume. Purée, c'est compliqué à dire. Nous disposons de tout ce dont on puisse rêver dans notre magnifique royaume. Peut-être que j'aille moins vite. Nous disposons de tout ce dont on puisse rêver dans notre magnifique royaume. Allez, tout de suite, c'est mieux. Je préférerais rester dans le jardin et profiter de cette belle journée. Tous les membres de notre famille doivent apprendre les bases du commerce. C'est ce qui a rendu notre cité si riche et si radieuse. Savoir mener une caravane est essentiel. Ta mère et moi pensons que tu es désormais en âge de prendre cette responsabilité. Mais j'ai tout d'abord une tâche de confier. J'ai récemment trouvé cette bague sous le divan. C'est d'ailleurs une histoire assez cocasse. Tout a commencé lorsque... Youssouf, oui. Bref, allons au bazar et trouve-toi un marchand qui accepte de la racheter. Très bien. Ok. Donc voilà comment se présente le jeu, on peut zoomer un petit peu, alors on doit aller au marchand, donc là on a notre inventaire, voilà, notre inventaire permet de voir les marchandises, blablabla, les emplacements, bon ça tout va bien. Sauvez votre capacité maximale d'inventaire, soulever votre caravane nous empêchera de voyager, détruire des objets afin de libérer des emplacements, votre objet, bon ça voilà, on a bien vu, détruire ici, voilà. Les objets de quête ne bloquent pas d'emplacement d'inventaire, mais sont tout de même listés ici. D'accord, ouais. Des filtres vous permettent d'organiser vos inventaires par catégorie. Dans tes fêtes, votre équipement le faisant glisser sur votre héros. Ok. Bon, jusque-là, tout va bien. On a donc le journal de quête. Voilà, journal de quête, blablabla. On peut activer, désactiver des quêtes secondaires. Bon, ça, j'avais regardé un peu de mon côté, il n'y a rien de nouveau. Là, on a notre personnage, voilà. Donc là, on voit les capacités de notre héros. Les nouvelles capacités peuvent être apprises auprès des maîtres de la guilde, après avoir gagné un rang. Ouais, des points de compétences, quoi. L'utilisation intelligente de vos capacités peut grandement faciliter votre survie. Chaque héros peut se voir attribuer plusieurs à animaux et auxiliaires en fonction de son rang. Les animaux ajoutent des emplacements d'inventaire et affectent la vitesse de votre caravane. Les auxiliaires améliorent la santé de votre héros et l'efficacité de ses capacités. Astuce. Le saviez-vous? Les animaux et les auxiliaires peuvent être réaffectés entre les héros en les faisant glisser. Ils peuvent également être congédiés en cliquant sur la petite icône en dessous de leur portrait. Merci, Tony les bons tuyaux. Donc là, d'accord, ça va être en 3. Ok, d'accord. Donc là, on a réduit la consommation d'eau de 5% par auxiliaire. Ok. L'emplacement sera dupliqué au rang 2. Ok, donc on a des emplacements pour mettre des animaux, des auxiliaires, et puis d'autres emplacements qui se débloquent au fur et à mesure des niveaux que l'on débloque. Ok. Rang 1, c'est l'expérience de caravane, l'héritier du trône de Hiram, blablabla. Ok. Capacité. Ah non, c'est ce que j'ai déjà dedans, non? Ah non, c'était... Voilà. Alors, général, ok. Le portrait, le nom, la profession, le rang et l'expérience de votre héros sont affichés ici. Les attributs propres à votre héros sont visibles ici, séparés en catégories général, combat et marchandage. Les artefacts de votre inventaire peuvent être équipés en les faisant glisser ici. Les accords d'un bonus, vous pouvez également y envoyer un héros depuis cet écran. Ok. Donc là, on va mettre des petits bonus.
notre santé, notre consommation d'eau, notre vitesse, notre capacité, notre et les batailles, les attaques, défense, marchandage. D'accord, ok. Et bien c'est déjà la nuit, donc il serait peut-être temps d'aller voir le marchand, lol. Désirez-vous de voir ce que j'ai actuellement en stock? Mais oui. Alors, votre inventaire se trouve à gauche, et celui de votre marchand à droite. Votre panier se trouve au milieu. L'achat et la vente sont simultanément, se font simultanément. Une valeur négative signifie que vous devez payer. Une valeur positive signifie que vous toucherez de l'argent. D'accord? Marchandises indiquées par des couleurs différentes. Les piles de pièces à côté des icônes représentent la valeur de chaque catégorie de marchandises pour ce vendeur. D'accord, donc il y a des petites pièces en fonction de ce qui lui est le plus cher, le plus précieux. Observez ces valeurs pour réussir un échange. De gauche à droite, votre réserve d'argent, votre emplacement d'inventaire vide, valeur d'actuel de l'échange, positive, vous gagnez, voilà, la quantité d'argent dont dispose le marchand. Mais bien sûr, là, on va acheter à perte, vendre à perte plutôt. Voici vos options de terminer l'échange de gauche à droite, on peut annuler l'échange. Essayez de marchander afin d'obtenir un meilleur prix avec l'un des membres de votre caravane. Une fois commencé, le marchandage ne peut pas être annulé. Et validez l'échange pour sa valeur actuelle, d'accord. Ok, donc il y a tout un système de marchandage, c'est sympa. Donc là du coup on prend la bague, on la fait glisser dans le panier. Donc je gagnerai 120, elle partira 120, bon voilà, je vais dire c'est un tuto, il n'y a pas forcément de grand chose à faire d'autre. Donc voilà. Très bien, avec cet argent, on va acheter trois outres d'eau au marchand près du puits. Tu en auras besoin pour tes voyages à travers le désert. Donc j'ai gagné notre fortune, ouais, carrément, quoi. Ok, donc faut aller voir Azaï, le marchand près du puits. Salutations, cher caravanier. Souhaitez-vous le ravitailler en eau? À moins que vous ne souhaitiez m'acheter quelques outres d'eau. Alors, on va acheter des outres. Alors, là, on a 120. Oui, mais on a vendu notre bague. Le début d'une grande aventure de commerce. Lui, il a donc 139, ok. Et on doit en acheter combien? 5? Non, 3. 3 outres. 3 outres fabriquées avec des vessies d'animaux contient jusqu'à 5 unités d'eau. Donc on doit en prendre 15 en tout. Ok, et ben bah, 1. Et 2. Et 3. Oula, qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'avais un vieux retour Windows, là. Ok. Ok, ça me vaut 36 sous, là. Réfléchis toujours à la quantité d'eau dont tu auras besoin pour effectuer tes voyages, c'est bien compris? Compris, et maintenant? Prends mon dromadaire, il est déjà chargé de marchandises. Emmène-le jusqu'à Mosha et vends tout là-bas. Oui. Sans te faire rouler dans la farine. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage à vous deux. Vous deux? Qui vient avec moi? Je sais que tu n'as guère envie d'avoir de compagnie, mais ta mère et moi insistons pour que mon frère fasse le chemin à tes côtés. Ah non, parce que con. Et toi, je n'ai pas été à Mosha depuis longtemps, et je connais des tas d'histoires que je pourrais te raconter en chemin. Allez, on va bien s'amuser. La quête livraison pour Mosha, apporter les marchandises à Mosha, d'accord. Tiens, grâce à cette carte, nous pouvons planifier notre voyage. La route vers Mosha est déjà inscrite. Nous avons tout ce qu'il nous faut. En route! D'accord, ok. Alors là, il est 19h. Oula, attends, il y a un verre fou, là. Notre réserve d'eau. Ok, ah, sympa. Notre fric. Vitesse moyenne. Ah, ok, donc... ah, d'accord, c'est pas des kilomètres-heure, mais voilà, en gros, c'est une unité de vitesse. Besoin en eau de jour. Ok, bon, j'en ai 15. Et ça, c'est l'heure. Ok, bah, pas trop que je tarde. Apporter les marchandises à Mosha. Alors, je peux voir ce que l'ongle Youssouf, il a comme... Mais du coup, là, il est à 400, je peux débloquer une capacité, non? Ah non, on rend 3, d'accord. Ok, bon, on va aller, on va continuer, on va nous faire ce qu'ils nous disent de faire, là. Et oui... Comment je fais pour partir? Thomas 5, Dromadaire se déplace en vitesse moyenne, et ils peuvent transporter beaucoup de marchandises. Santé, d'accord. Ok. Non, mais je veux partir. Il faut que je clique où? Il n'y avait pas une carte aussi Alors attendez, là j'ai plein de trucs là, du miel, de l'or, des bijoux, alors ça c'est tout ce que je dois vendre, tapis, d'accord. Apporter les marchandises à Mosha. Et j'aimerais bien y aller mais... Ah oui, attends, là, la carte, ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait une carte. Ok, alors... oui... Alors, pilier des arts, Hiram des piliers, alors ça c'est là où je suis, je suppose. Marib, Mosha, d'accord. Ah, pas mal la carte, j'aime bien. Légende. Position de la caravane, d'accord. Où il y a Babylone. événements, lieux spéciaux, trésors, voyageurs, combats.
destination capitale, cité, village, caravanserai, oasis et ruines. Eh mais c'est cool franchement, moi j'aime bien hein. C'est pas mal, hein. Enfin ça a de la gueule, après je sais pas dans le fond mais... Voilà. Du coup, bah Mocha. C'est marrant, c'est écrit avec un C ici et pas là. Voilà, c'est inutile, mais je l'ai vu. Mocha, une ville. Durée du mariage, 1 jour et 8 heures, d'accord. Consommation d'eau, 13. D'accord, oui, parce que ça fait 1 jour et 8 heures. Vu que c'est par jour, c'est 10 unités d'eau, donc là on en a 15, d'accord. Prix, marchandises. D'accord, donc l'eau, par exemple, s'achète cher, la nourriture est bon marché, les matériaux bruts paraissent bon marché, les épices sont très chères, textile non, plutôt normal, service. Il n'y a pas de puits, ni de quête, ni de guilde, mais il y a un marchand. Et bah, voyageons. Bah, c'est vraiment très sympa, ça a l'air sympa, du moins. Ce côté un peu, ouais, marchandage, voilà, un peu simulation, stratégie de marchandage, c'est très sympa. Peut-être que j'en ferai un let's play, hein, du coup, parce que là, c'est peut-être trop tôt pour vous montrer plus de jeux. Alors, Carmine. Sous un arbre solitaire, vous apercevez un vieil homme en train de sculpter un morceau de bois. Il se lève et s'adresse à vous. Là, j'aurais pas dû faire cette voix-là. C'est pas lui qui parle. Ah, des voyageurs! Jetez donc un coup d'œil à ce beau bâton de voyageur que je viens de fabriquer. Pour à peine quelques pièces d'argent, il peut être à vous. Un bâton faciliterait grandement vos voyages. Alors, on peut acheter le bâton à 50... Alors, c'est 10 drachmes. Je sais pas si ça existe vraiment comme monnaie, je connais pas, absolument pas. Ouais, enfin lui veut juste me revendre un bâton, ouais, j'ai pas envie de bâton. Je vous en prie, ma femme m'a mis à la porte. J'ai désespérément besoin d'argent et sculpter le bois est la seule chose que je sache faire. Je sais pas trop. Par pitié, je vous en prie, 30 drachmes, s'il vous plaît. alors si je fais des accents, hein, c'est juste pour différencier les personnages, alors n'y voyez là, aucune... Aucune intention mauvaise de ma part ou autre, hein. je ferai des voix complètement ridicules pour d'autres personnages après. Hein. Je savais que nous finirons par tomber, là, d'accord. Mais je n'ai pas besoin de ce bâton. Allez, vas-y, on le fait encore cracher. Ah merde, non, je voulais... Bon, écoutez, je suis planté là depuis des heures et à vous attendre. Et votre peine ne me met pas si bien que ça. Alors prenez ce bâton et gardez votre argent. Oh, c'était un félon. Il c'était un... J'ai oublié votre langage. C'était un... Enfin, c'était... Il n'était pas honnête. Voilà, je cherchais le mot. Oui, oui, bien sûr. Et donc, vous allez me reprendre ce bâton? Très bien. Très bien. Maintenant, laissez-moi tranquille. Adieu. Du coup, j'ai récupéré un bâton gratos. Un bâton simple, sculpté dans un morceau de bois. Peut-être équipé par maître de caravane. Marchand... Alors, caravane, marchand, éclaireur, sage, mercenaire, voleur. Plus 2 en vitesse. Prix d'achat 250. Ok, bah cool. Il voulait me le vendre 3... Non, 50. Lol. Alors du coup, comment je l'équipe? Que je le fais glisser jusque là. Oui. Et du coup là il est équipé effet positif. Est-ce que je le vois dans mes genre en général? Ah ok, donc c'est carrément un artefact. Ok, c'est cool, c'est cool, franchement c'est cool. Oui. Ah du coup là donc ça a arrêté, c'était une sorte d'escale, ok. Réserve d'eau. Ok, sympa. Poursuivre les voyages, bah oui bien sûr. Oh, franchement, je kiffe, hein. J'aime beaucoup. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu beaucoup hein, de jeux encore, mais là, le peu que je vois, c'est très intéressant. Bardol. Dans le désert, vous croisez la... Ah, mais purée, pourquoi je suis la voix comme ça? C'est pas lui qui parle. Dans le désert, vous croisez la tente d'un bédouin. En vous voyant, il s'adresse à vous. Ah non, il a pas trouvé une voix... Le problème, c'est un âne, donc c'est bien que tu me portes ma mère. Remets-moi un trompe et je vais me très volontiers dans les deux. Alors attendez, j'ai rien compris ce que j'ai dit en fait. J'ai un âne et un auxiliaire qui me portent malheur. Parlez-moi de l'âne. Les ânes ont des animaux endurants, capables de transporter toutes sortes de marchandises. Ouais, un drague, c'est pas énorme. Ah oui, déjà on est en train de marchander et tout, c'est pas mal. De l'auxiliaire. Les auxiliaires vous aident à mieux tirer parti de vos compétences. Ils augmentent aussi vos chances de survie en cas d'attaque de bandits, par exemple. Bah, étant donné que j'ai déjà un dromadaire, ou un chameau, je sais pas, je fais jamais la différence. Lol. Je vais prendre l'auxiliaire. Hein. Merci, j'espère que ma chance sera divisée par deux comme ça. Alors, un auxiliaire. Qui s'est fait exactement un auxiliaire Ok, d'accord. Améliore les effets des capacités de votre héros ainsi que sa santé. Ok.
Poursuivons le voyage. On va aller jusqu'à la ville, hein. Et du coup, il y a un mec en plus qui nous suit, mais c'est pas un mec qu'on peut gérer comme l'oncle Youssouf, là. C'est, en gros, c'est un follower, si on... Ouais, en quelque sorte. Sympa, sympa, sympa. Ozai, dans le désert, vous rencontrez un ascète. Putain, mais il y a des mots que je connais pas. Vous notez qu'il n'a presque pas d'eau sur lui. Ok, on va lui faire une voix. Salutations, voyageurs. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Le soleil brûle nos peaux. Comment pouvez-vous supporter une telle chaleur avec si peu d'eau? Ah, et en fait, il a l'air de souffrir. Oh, l'esprit est plus fort que la chair. Je peux vous apprendre à contrôler votre soif et à préserver vos réserves d'eau si vous le désirez. Cela me serait bien utile, merci. Ah, donc genre, il veut me rejoindre. Alors, je peux kicker l'autre auxiliaire. C'est ça que ça veut dire? Alors, on va essayer. Est-ce que je fais pas une bourde, là? Oups. Pourquoi ça m'a mis à cette... Alors, attendez. Est-ce que je peux recliquer sur lui? Merde. Non. Et du coup, on a le bâton, c'est cool. Je crois que j'ai fait... Non, je crois que j'ai fait une gaffe. Du coup, j'ai kické mon auxiliaire en pensant que lui, je pouvais le recruter. Attendez. Je vais mettre mon curseur tout à l'heure. Ah, et puis j'ai des vieux lags de merde là avec mon PC. Non, bon, écoutez, c'est pas grave, on a sans doute tout de suite fait une erreur. C'est pas grave, tant pis. Et bien voilà, nous voilà à Mosha. Partie sauvegarder la caravane a atteint Mosha. Cool. Vendez toutes les marchandises d'Iram. Ok, le marchand. Et il n'y avait pas d'autre chose. Ah ouais, c'est vraiment un petit pet là en ruche. Eh ben, allons voir le marchand. Ah, de belles marchandises en provenance d'Iram. Ah putain, je me défonce la voix dans la gorge. Montrez-moi ce que vous transportez sur ce dromadaire. C'est un dromadaire. Ah, c'est vrai, je me défonce la gorge, pardon. Faut que je vende tout, même l'eau. Non. Vendez toutes les marchandises. Ils sont quoi que ça non, d'accord, non. Ah non, faut peut-être que je le garde, ça. Un liquide sucré, oui, bon, le miel, on sait ce que c'est, wesh. Ça appartient aux abeilles. Et bon, on va vendre ça, tout ça, là, voilà. Ça nous fera 306. Ok, bon, bah, c'est bien ce qu'il fallait faire. La quête, livraison pour Mosha, entraîne l'entrée. Entraînez votre oncle Youssouf auprès du maître de la guilde de Mosha. Genre, on va lui apprendre le kung-fu. Je note de quête, alors je veux juste avoir un peu plus. Quête terminée, quête active, d'accord. Entendez votre oncle Youssouf, ok. Et bon, on va lui apprendre le coup de fou, écoutez. Hein. Auprès de Martha, la maître de guilde. Ah, Youssouf, ça faisait longtemps. Que venez-vous faire à Mosha? Elle vous examine ensuite de la tête aux pieds. Je suis venu avec un de mes serviteurs afin de jeter un coup d'œil au marché. Dit-il en vous faisant un clin d'œil. Wink, wink. Et, attendez. Oui, je suis venu avec mes serviteurs afin de jeter un coup d'œil au marché. Genre, il me traite de serviteur. Oh, bah, je lui réponds pas, attendez. Vous semblez prêt à apprendre quelques nouveaux tours, Youssouf. Désirez-vous suivre mes enseignements? Alors. Oh, il faut payer en plus. Le mec, trop grippe-sous, tu sais. Oncle Youssouf, c'est un voleur. Ah ouais, carrément, quoi. On peut lui apprendre des tours de je sais pas quoi. Oncle Youssouf, rang 2. Pa-pa-pa-lim-pin. Alors, j'ai un nouvel emplacement d'auxiliaire, d'accord. Et il a gagné des trucs en plus. On peut pas le voir encore. Bon, une bonne chose de fait. Avant de partir, nous ferions mieux de refaire nos réserves d'eau. Tu pourras ensuite aller retourner à tes chers jardins. Aller retrouver tes chers jardins, pardon. Alors du coup, on a gagné quoi, ça, c'est quoi? Je ne sais pas. Entraîner des héros, d'accord, c'est juste pour les faire monter au rang supplémentaire. Du coup, est-ce que je peux... Ouais, donc ça s'est débloqué. Et puis ça, j'ai pas de nouvelle capacité, parce que ça serait que au rang 3. D'accord, alors là, il faut qu'on aille voir le marchand d'eau. Venez remplir vos outres, on ne sait jamais quand arrivera la prochaine tempête de sable. Faire le plein d'eau, ouais, bah allez hop. Ok, on peut carrément faire le plein d'eau. Ah, sympa, sympa, sympa. Retourner à Iram. Eh ben écoutez, on va faire ça, puis je pense que je vais m'arrêter pour la vidéo découverte ici. On va voir s'il se passe des trucs sur le trajet du retour, bien sûr, et puis c'est possible que j'en fasse un let's play. Alors peut-être pas... tout de suite, hein, parce que j'ai d'autres jeux en cours, et puis même d'autres jeux que j'aimerais vous présenter, enfin d'autres trucs à faire en gros, voilà. Mais
voilà, je garde l'idée dans un coin de ma tête. Et oh, attention, qu'est-ce que c'est que ça? Vous apercevez un chacal solitaire au loin. À peine vous a-t-il repéré qu'il se précipite vers vous. Alors qu'il approche, vous voyez que de l'écume s'écoule de sa bouche, en mode... Oui, je fais aussi des bruitages. Et que son corps est couvert de blessures. Vous saisissez votre couteau. Équipez votre bite et votre couteau. Vous affrontez le chacal. Imaginez le truc. Ah, on peut choisir qui on fait combattre. Alors lui, le chacal, rang 1, 100 vie, 50 d'attaque, 50 de bouclier, 50, je crois que c'est la russe, ça. 45 de 4, 70. Voilà, c'est Youssouf qui est... Attends, Youssouf, il pèse dans le game, wesh. Attends, on lui a appris le Kung Fu, aussi. Alors, voilà, attendons. Qu'est-ce qui se passe? Au milieu de l'écran se trouve la piste de DD. Vos attributs de combat sont en vert, ceux de votre adversaire sont en rouge. Ok. Entre les icônes des attributs, vous pouvez voir les résultats intermédiaires. Les nombres en vert indiquent les dégâts que vous infligez, et les nombres en rouge indiquent les dégâts qui sont infligés à la fin du tour. Alors, attends. Attributs de combat sont en vert, ok. Vous pouvez augmenter les attributs de votre héros en affectant les dés à l'attribut correspondant. D'accord, on a un attribut de base et on peut l'augmenter. Le dé de couleur claire est un dé de joker qui peut être affecté à n'importe quel attribut. D'accord, tandis que les autres sont attributs, je suppose, des attributs définis. Votre adversaire fera de même. Mm-hmm. Tous les points seront additionnés pour calculer les dégâts infligés. D'accord, sympa. Essayez de maximiser les dégâts que vous infligez tout en limitant les dégâts reçus. Bah oui, sinon on va pas gagner. Certains héros disposent de capacités utilisables au combat. Les auxiliaires affectés à votre héros augmentent sa santé et améliorent l'efficacité de ses capacités. Ah, ben je l'ai kické l'autre aussi. D'accord, alors attendez. Donc il souffre en 240. 40, c'est quoi les dégâts infligés par votre héros? Donc ça, ok. Capacité. Saccage. Vole 5 points d'une catégorie de combat ou de marchandage par auxiliaire et les ajoute à ceux de votre héros. D'accord, ok. Attaque. Balle à ruse de l'adversaire battu. Alors attendez, faut que je comprenne un peu. Attaque, balle à ruse de l'adversaire, battue par la défense. Oui, parce que, d'accord. Défense, balle attaque de l'adversaire, mais battue par la ruse. Ruse, balle à défense de l'adversaire. Oui. Battue par l'attaque. Faire là en fait. J'appige rien. Ah non, je peux. Alors attendez. Ah non, faut que je fasse glisser. Ah ok, faut que je fasse glisser. D'accord, ok. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des dés qui sont jetés et chacun de nos tours, on choisit les dés et on les attribue. Bah justement, nos attributs, quoi. On les donne à nos attributs pour faire peser la balance, d'accord. D'accord, et ça, dés d'attaque améliore votre... D'accord, donc les dés d'attaque, ça améliore bah, avec l'attaque. Dés de ruse. Alors, on va mettre dans ma... Alors ça, c'est mon attaque, ma ruse, on va mettre dans ma défense. D'accord. Je comprends pas trop exactement, mais je vois un peu de ce que ça veut dire. Et ça, c'est quoi, ça, les 10 dés de ruse. Bah, j'ai pas trop de choix que de le mettre là. 40, d'accord. Il va y avoir un truc que je loupe, mais bon. Bon, j'ai gagné. J'ai pas trop comment j'ai fait, mais j'ai gagné. Victoire, le combat est terminé. Vous avez vaincu vos adversaires, récompense, vous tenez 50 expériences. Ok. Ok, cool. Quel horrible bête. Je suis heureux que tu sois indemne. Ta mère aurait eu le cœur brisé. Ah bah oui, merci en fait, hein. C'est lui qui m'a sauvé. Elle n'a pas à s'inquiéter pour moi. À ce propos, où était ma mère aujourd'hui? Elle n'est même pas venue me dire au revoir. Mais oui, c'est vrai ça. Je me demandais la même chose. Ce matin, nous l'avons cherchée dans le palais, mais nous n'avons pas réussi à la trouver. Ne t'en fais pas. Elle était probablement dans l'un des jardins. Ah bah oui, bien sûr. Ok. Eh bien, poursuivons la route. Sympa, sympa. Le système demande, je dirais, un peu plus de maîtrise, mais c'est assez original. Côté un peu, voilà, on lance des dés, puis après on attribue, voilà, une capacité particulière. Qu'est-ce qui va encore se passer? Sur le chemin du retour vers Hiram, vous êtes témoin d'un spectacle effrayant. Le ciel est noir et une énorme tempête semble dévaster la région. Mm-hmm. Vous tentez de traverser la tempête, mais vous arrivez à peine à respirer. Ça, c'est pas cool. Ah merde, le dromadaire a péri. Fuck. Vous regardez autour de vous et réalisez qu'il n'y a plus personne. Vous avez perdu la vue du reste de votre groupe. Vous avez beau hurler au cœur de la tempête, la seule réponse que vous percevez est un puissant bourdonnement.
Ah, j'ai même perdu Youssouf. Et qu'est-ce que je suis censé faire du coup? Ah non, je suis juste censé accepter mon sort. LOL. Et ben tant pis. Enfin, il me reste de l'eau, encore heureux. Hein. Bon, bah, j'ai perdu Youssouf. Hein. Ouah, mais la ville! En pénétrant dans la cité, vous réalisez l'ampleur du désastre. Ah ouais, grave! La tempête semble avoir totalement détruit Iriam. Mais genre, vous avez vos maisons en carton ou quoi? Vous avez reçu la quête, ok, cool. Vous n'apercevez pas âme qui vive. Soudainement, vous devinez la silhouette de votre père loin devant vous. Merde! Ashan! La loi est sur les lieux. Tu es de retour et en un seul morceau. Nous devons partir d'ici au plus vite. Tout le monde a déjà fui la cité. Je n'en sais rien, je n'ai jamais vu une chose pareille. J'ai dû répondre à un truc que j'ai pas vu en fait. Ne perdons pas de temps, je connais un caravane des araignées. Non loin, dépêchons-nous. Où est ma mère? Je n'en sais rien, elle était avec moi et puis... Ah, je te raconterai tout ça plus tard, on s'en fout d'elle. Votre père vous serre dans ses bras, puis vous fuyez de la cité ensemble. Et la quête, la fuite d'Iram, La quête, fuite d'Iram, j'ai pas eu le temps de la lire à la fin. Fuyez d'Iram pour rejoindre la caravane d'Azraï le plus proche. Ok. Et bien on va s'arrêter là pour la vidéo de découverte, mais il est fort probable que je fasse un petit let's play dessus. Alors je sais pas, c'est pas complet hein, bien sûr, mais histoire de vous en montrer un petit peu plus, parce que franchement j'aime beaucoup. Hein. Je trouve ça en fait très original, ne serait-ce l'ambiance, et un peu le système de gestion de marchandage, de survie aussi, stratégie. C'est très intéressant. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description, le lien Steam en fait. Et puis sans doute que j'y regarderai tôt ou tard. Voilà. Salut !